La pression nous-mêmes parce qu'on voulait donner quelque chose de plus abouti au niveau de notre musique, des textes. Et donc c'est surtout sur ça qu'on a travaillé, mais sans se soucier des gens, quoi. Ce qui est important, c'est de faire un joli album déjà pour nous, quoi. Et voilà, on s'est fait avant tout plaisir, je pense. D'accord. Et ce qui frappe, moi ce qui m'a frappé dans cet album, c'est l'énorme diversité musicale qu'il y a d'une chanson à l'autre. C'était un peu le cas dans les albums d'avant, mais là c'est vraiment très prononcé. On passe du rock au ska avec des influences un peu punk, électro. On a un peu l'impression que vous essayez de plaire à tout le monde en fait finalement. Est-ce que c'est un peu le cas? Il n'y a pas de prévision, de calcul, etc. Ouais. Je pense que d'ailleurs, si c'était le cas, on ne ferait pas ça. Ouais. Parce que clairement, c'est beaucoup plus compliqué de sortir un disque en faisant plein de musiques différentes pour être identifié. Skip the Use, c'est un groupe de ça, ils font ça. Nous, ce n'est pas le cas. On peut faire plein de choses. Et en même temps, c'est aussi ça qui est intéressant. Enfin, du moins, on se bat vraiment pour que ce soit, ça reste comme ça. Donc tu vois, c'est notre concept, il est comme ça. On vit de manière indépendante, ouais, mais à 300 mètres l'un de l'autre, donc on a aussi une grosse vie commune. Et du coup, on a bossé comme ça, des fois dans notre coin tous les deux, et puis après on mettait en commun, et puis après on faisait des textes, partait en voyage, revenait. Oui, partout en voyage. C'est naturel, finalement. Ouais, toi, t'as fait beaucoup de voyages dans les bars. Chacun son trip. Bah oui. On partage pas tout, c'est vrai, à ce niveau-là. Enfin, bref. Pour revenir à l'album, il s'appelle Little Armageddon. Et l'oxymore, c'est une figure de style qui vous va assez bien. Comment est-ce que ça vous est venu, ce titre en particulier, qui est le titre d'une chanson aussi? D'abord, ça nous est venu par rapport à la chanson. On trouvait, c'est une chanson qui parlait de nos enfants et qu'on trouvait que les enfants, c'est des êtres charmants qui arrivent dans ta vie pour tout changer. Et on trouvait ça rigolo d'appeler cette chanson comme ça. Et ce qui vous représente pas mal aussi, c'est la scène. J'ai l'impression que quand on parle de vous, on parle toujours de vos prestations scéniques qui sont toujours hyper énergiques, hyper poussées. Vous avez tourné avec l'album d'avant plus d'un an, je crois. Ouais, plus d'un an, pratiquement deux. Et... Ouais. Ça vous a pas lassé du tout? Voilà, mais on aime ça, la scène. On vient vraiment de là aussi. On a un peu rock, hein, je veux dire, mais... ça passe par là. C'est une partie intégrante de l'univers qu'on a. Et puis c'est génial de rencontrer les gens, d'échanger avec eux, de pouvoir avoir un autre regard sur notre boulot. Et puis voilà, d'être grandi de rencontres comme ça. Non, c'est super cool. En tout cas, on n'y va pas avec des pieds de plomb, même si des fois on est mort, quoi. Mais c'est une bonne fatigue. C'est important. Comment ça se passe à l'étranger pour vous? Vous avez des retours très positifs Écoute, on est des stars. Les gens, crient notre nom. Non, avec les des gens accents, qui se laissent pousser la barbe et qui se mettent des casquettes. Ouais, une fois, j'ai vu ça, moi. Oui, si, ouais, j'ai vu ça. Ça s'est déjà vu. Ça s'est vu en Italie. En Italie, ouais. Et du coup, là, vous êtes prêt à repartir? Vous êtes. Écoute, on doit déjà finir de mettre en live ce nouvel album, et c'est pas une mince affaire. Ouais. Et puis après, ouais, on est prêt à repartir. Ça va être en plus assez intense, je crois. Vous serez le 7 avril au Trianon, je crois, à Paris. Ouais. Ouais. Bon, on se retrouvera là-bas du coup. Ah, tu viens? J'espère. Tu bah oui, oui, je pense. On est fait contente. Je suis ravie de terminer là-dessus du coup. Ouais, c'est parfait. C'était super. Merci à toute beaucoup d'être venu. Il va falloir revenir pour réparer le studio aussi, je crois. Ça c'est lui. Ouais. Moi, je suis très gentil. Bon, voilà. Moi, j'allais dire des trucs, mais je vais pas les dire. Allez. Bon, merci beaucoup en tout cas. Tu peux garder le savane. Merci les gars, tu peux garder le savane avec plaisir. Au revoir.